en 1992 et cette même équipe de France. Oui, par exemple, à la Coupe d'Europe, à la Coupe des Nations. Mais il faudra qu'ils sortent le grand jeu pour sortir, pour battre Jean-Michel Say. Voilà le premier point. Le premier point revient à Jean-Michel Say. Mikaze, suivant l'expression consacrée, pour empêcher Jean-Michel de jouer. Qui doit rencontrer la star adverse. Installons-nous dans cette rencontre. Ce qui serait peut-être simpliste, attaquer leur verre de vie maintenant. La table à Patrick Chila, 4-3. Dans un match. Et Michel Say avait eu aussi quelques difficultés à entrer dans la pile. Jean-Michel Say avait bien revenu. Supplémentaire pour Patrick Chila. Dans sa première série. Ce qui est devenu très important pour ne pas dire. 12-7, attention. De nouveau 5 points pour Patrick Chila. Superbe échange à l'avantage de Patrick Chila. 14-9 et toujours ce jeu à risque évidemment de Patrick Chila, mais un jeu. 14-10 maintenant après ce ralenti.16-18, Jean-Michel. On souffle déjà. À présent, 19-16. Et cela a facilité grandement la tâche de Patrick Chila. 20-16, une première balle de 7. Voilà. Et un premier set. 21-16, un premier set pour Patrick Chila. Jean-Michel, la situation. Voici quelques statistiques. 8 services gagnants pour Patrick Chila. On vous disait tout à l'heure l'importance de ce service. Et puis, il faut signaler. Un service de Chila décompté par l'arbitre. La hauteur fatidique n'était pas atteinte apparemment. Et rapidement ce second set. Solution au service de Patrick Chila. Les deux hommes. Cette rencontre qui est loin de tourner l'avantage de Jean-Michel Say. Non, c'est vrai que le but de Chila, mais maintenant, début de deuxième set, il s'y adapte beaucoup mieux. Et il joue mieux comme ça pendant deux sets. Deux points d'écart maintenant pour Chila, c'est important. C'est un joueur qui a battu. Et bon, c'est vrai qu'un Belgique-France est toujours un match un petit peu spécial. Et bon, il n'y a aucun match. La différence aujourd'hui, du moins je l'espère pour tout le monde. Retour à vous Dominique Ruiz. Oui, avec une nouvelle balle et que Jean-Michel reprenne le dessus. Il nous a déjà habitués
à retourner des situations plus compromises dans toutes ces entreprises. Et oui. Et vous le voyez, il voit, mais 6-13, toujours en sa faveur. À quel sud Chelsea va bien retourner à attaquer directement. 13-8. On va remettre ce service. Il a l'attaque, 14-8 maintenant. Elle aura bien sûr 4 points, aura fait un grand pas vers les demi-finales. Par contre, si elle a encre, la bouteille à encre dans ce groupe. Mais revenons à cette rencontre. Oh là, Patrick Chi. Un fantastique point qui a sorti cette balle. 10-17. Ah, Jean-Michel qui attaque. 12-17. Voilà le centre. Il va attaquer derrière ses 5 services. En tout cas, voilà déjà un beau suspense. De ce match. Et qui termine par un point de chance, mais il faut dire que cette victoire est normale. Patrick Chila a tout à fait joué son rôle. Mais ce n'est pas mauvais ce genre de défaite de votre numéro 1, de votre locomotive, pour le moral de l'équipe belge. C'est sûr que ça n'introduit pas le doute dans les esprits. Non, pas encore.